Une fois, j'ai mangé quelque chose de mauvais et j'ai eu tellement mal à l'estomac que j'ai pensé que j'allais mourir. Puis j'ai pris une pilule et comme par magie, la douleur a disparu. Je ne pense pas avoir autant apprécié la médecine moderne avant cette expérience. Malheureusement, il y a encore des millions de personnes qui souffrent chaque jour des maladies qui n'ont pas encore de traitement connu. L'Agence européenne des médicaments approuve environ 50 nouveaux médicaments chaque année. Et si nous pouvions augmenter ce chiffre par un facteur 10, Voire même plus. Cette idée n'est pas si farfelue que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Ifat, et je suis docteur en neurosciences. J'ai pour but dans ma vie d'améliorer la santé humaine par le biais de ma recherche. Au cours de mon doctorat, j'ai passé quatre ans dans une chambre noire à regarder les cellules au microscope. Aussi laborieux que ce fut, je suis devenue experte en imagerie cellulaire. Pour trouver un nouveau médicament, il faut tester des millions de molécules. On appelle ça un crible. Aujourd'hui, en tant que postdoctorante à l'Institut euh, de recherche Servier, j'ai réussi à mettre en place le plus gros crible à haut débit en imagerie cellulaire de l'histoire de mon entreprise. Autrement dit, au lieu de tester des molécules une par une, j'en teste 6000 par expérience. Puis je mesure les, les effets de ces molécules en analysant 5000 paramètres cellulaires à la fois. L'objectif est de réduire les images cellulaires à des tableaux de chiffres facilement analysables par nos outils informatiques pour le développement des nouveaux médicaments. Nous, avec des collaborateurs dans d'autres pays, nous tentons de faire le plus grand jeu de données de l'imagerie cellulaire qui sera entièrement public et utilisable par tout un chacun dans l'esprit de la science ouverte et collaborative. Dans le futur, grâce à ces données, J'espère que traiter les cancers, la neurodégénération et même la dépression et la schizophrénie sera aussi facile que de traiter les gaz intestinaux, par exemple chez une personne qui a peut-être un jour mangé un peu trop d'haricots. Merci.